Bonjour Irène, merci Bonjour. pour Libre comme lire dans cette émission. Je vais vous poser trois questions sur la bibliothèque sonore de Lille, dont vous êtes responsable de la formation des donneurs de voix. Alors, peut-être pour commencer, vous pouvez peut-être m'expliquer ce que propose la bibliothèque sonore de Lille. Des enregistrements en voix humaine et la gratuité de ses prestations. La Bibliothèque sonore de Lille, qui est un établissement secondaire mais reconnu d'utilité publique, est également l'établissement fondateur de l'Association des donneurs de voix qui a été créée, donc à Lille, en 1972, sous le patronage du Lions Club, pour rompre l'isolement des personnes aveugles, déficientes visuelles ou empêchées de lire pour des raisons physiques, cognitives, attestées médicalement. Elle s'attache à redonner l'accès à la lecture à des personnes souvent fortement handicapées par le biais du livre qu'on écoute. Elle leur propose gratuitement des audiolivres et des audio-revues hebdomadaires ou mensuelles sur des supports numériques en format MP3, CD, clé USB et ou téléchargement. Et vous Alors, me voyez, qui sont elle fait enregistrer un livre. Qui sont les donneurs de voix et comment travaillent-ils ? Alors, les donneurs de voix, c'est d'abord tous des bénévoles, y compris nos autres bénévoles donneurs de temps qui font tourner l'association. Donc, tous des bénévoles et membres, bien sûr, de l'association. Ils enregistrent à leur domicile, en voix humaine, les ouvrages qu'ils choisissent, puisque le principal de fondement, c'est le donneur qui a envie de partager un livre avec un audiolecteur, sur un logiciel d'accès gratuit, Audacity, après avoir reçu, bien sûr, une formation tant sur le plan technique que sur l'application de la charte qualité nationale. À noter que nous sommes, selon le ministère de la Culture, l'association la plus importante sur le plan national à pratiquer ce genre d'enregistrement. Les enregistrements font l'objet de vérifications par des contrôleurs qualité de l'association en vue de leur transfert ensuite sur le serveur national. Un atelier de lecture regroupe une fois par mois, quand il n'y a pas de Covid, les donneurs de voix volontaires pour travailler et améliorer tant la technique que la qualité de leur diction. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura bientôt plus de Covid. Alors, quels sont les bénéficiaires de l'offre de la bibliothèque sonore ? Alors, comme je l'ai dit en introduction, c'est toute personne empêchée de lire, médicalement attestée, quel que soit le handicap qui empêche la lecture, physique ou cognitif. La bibliothèque sonore illumine le quotidien d'un millier d'audiolecteurs, exactement cette année 1069, dont 366 adultes et 703 jeunes de moins de 18 ans. Les adultes sont en majorité des malvoyants, mais nous accueillons également des personnes souffrant de troubles moteurs, tels des Parkinson qui empêchent la tenue des livres, ou après un AVC grave, ou d'autres problèmes moteurs fonctionnels qui empêchent la lecture. Chez les jeunes, bien sûr, on a les malvoyants, mais nous venons en aide en particulier aux enfants souffrant de différents dys, les dys, dyslexie, dyspraxie, etc. Et nous avons beaucoup de conventions avec des collèges qui accueillent ces jeunes en difficulté de lecture. Et pour conclure, moi j'aimerais ajouter et souligner que notre association a une triple vocation, humaniste, sociale et solidaire. Merci Irène et bonne chance à la Bibliothèque sonore de Lille. Merci.